Eh bien bonjour à tous, c'est Willy Gmod et bienvenue dans le second épisode de Willy & Co, donc la reprise, hein, je le rappelle. Mais bon, à partir de l'épisode prochain, ça reviendra... Putain, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire une tour en gravier, lui, là-bas? Mais il faut des silex. Oui, d'accord, il faut des... en compagnie de Pietro. Bonjour, Pietro. Bonjour, les jambons. Les jambons. Bah, parce qu'il y a des gens méchants, il y a des jambons, voilà. Ouah, le mec. Eh, ne fais surtout pas ça. Non. Fallait pas me donner l'idée, je veux pas le savoir. En plus, c'est bon, j'ai récupéré des silex, j'en reviens pas plein. Non. Oh putain, la vache. LOL. C'est trop mortel, ce truc. Là, par contre, j'ai un creeper qui me regarde mal, ça me plaît pas. J'avais beau mettre des cubes, je faisais toujours que descendre. Tu sais que j'ai moyen de te faire descendre beaucoup plus rapidement, si je le souhaite. C'est pour ça que je descends. Tu t'es ramassé la gueule? Non, je sais pas. Tu sais, je me suis ralenti, mais tu sais qu'il y a une fraction de seconde où les blocs ils sont en déplacement, tu vois. Ouais. Donc, si tu te colles dedans, tu meurs à moitié étouffé, mais en même temps, tu tombes pas. Enfin, tu meurs pas de dégâts de chute, quoi. Ah, attends, je vais te donner ce que j'ai. Voilà, tiens, cadeau. Voilà. Merci. Mais l'autre, comment il me frappe? Violence conjugale dans Minecraft. C'est n'importe quoi. Donc voilà, nous sommes en compagnie de nos trois minuscules poulets. Bonjour les poulets. Voilà. Oui, je vais vraiment récupérer du... Oui, ah, je mettrai un bruit de poulet au montage. Oui, tout à fait. Et alors, t'as un problème avec ça? J'ai aucun problème avec la phobie des... Ma phobie. Ma phobie de quoi? Je sais pas. Cet homme est complètement malade. On va peut-être commencer à creuser dans cet épisode, histoire de trouver des minerais quand même. Bah creuse ton trou, vas-y. Mais du coup on creuse où? Bah où tu veux. Ah mais t'as trouvé du chêne finalement? Ah ouais. T'as trouvé ça où? Bah de l'autre côté de la falaise là. Ouah, l'autre il s'est fait... Ce luxe il s'est fait une pioche en... En copper, en... Merde comment ça... C'est le en cuivre, voilà. Ce luxe. Dead luxe. Extrême bourgeoisie comme dirait Zéphine. C'est ça, c'est tout à fait ça. Hop. Donc voilà, alors je parlais hein, à Pietro que dans un avenir proche, je vais essayer, et attention, j'ai bien dit essayer, de m'acheter une connexion, c'est-à-dire que j'aurai une connexion à moi, où en théorie je ne lagrerai pas. J'ai bien dit en théorie, hein, faut pas m'envoyer pas, hein, si jamais j'arrive pas à tenir cette promesse, malheureusement c'est pas moi qui décide. Pietro, est-ce que tu aurais des torches pour moi? Mais... Merci Pietro. Merci, envoie-moi tes torches. Les bonnes torches. Est-ce que tu pourrais essayer éventuellement d'aller nous chercher de la bouffe? Parce que je commence un peu à crever la dalle, moi. Tu sais quoi? Quoi? Merci. Ça c'est fait. Tes désirs sont des ordres. Oh, j'aime me faire obéir de la sorte. Ça me rend tout chaud. Ne va pas trop loin. Donc ça c'est bon, pof. Range ta béquille. Oh non, ma béquille est reste ouverte et sortie en prime. Oh my god. Donc ça c'est bon. Donc voilà, là mes amis, si je creuse, c'est pour essayer de trouver du mithril ou autre minerai intéressant. Notamment du fer qui pourrait nous servir. Parce que le diamant, c'est beaucoup plus difficile à trouver que le mithril, donc tant qu'à faire, vu que le mithril est à peu près aussi résistant que le diamant. Ça peut être plutôt intéressant d'avoir plus de mithril que de diamant. Du moins pour le début. Tout à fait. Alors... J'approuve ce message. Voilà, ceci était un message du ministère de la connerie. Oh bah en plus t'es ministre, c'est génial ça. De la connerie. Oh putain, y a une crevasse souterraine qui est trop. Est-ce qu'il peut y avoir des crevasses aériennes? Ah, saloperie. Et ouais, tu vois comme quoi quand tu vois ta bêtise dans les yeux, te fait peur. C'est plutôt le squelette que j'ai vu en face qui m'a fait peur. Oui, bah tu sais, ta connerie, un squelette, c'est pareil. Merci Pietro. Toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Tu pourrais éventuellement... Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Putain, mais tu me pousses dans le creux, espèce d'andouille. Mais c'est parce que c'est comme ça, s'il y a de la lave... Ouais, c'est ça, je t'en fous pas, moi, de la lave. Mais t'es un grand malade, heureusement que j'ai fait sneak, hein. Hop. Salut toi. Aïe, saloperie. Tu peux le niquer, lui? Il est où? Là en face. Là-bas.
fois. Ah la pute de sa grosse mère. Ah, mais pourquoi il me tire? Je suis dans le creux, il peut pas me tirer. Voilà, nickel. Donc du coup, on va... Hop. Là, il y a des witches en bas, là. Des witches. Enfin, des sorcières. Des sorcières, oui. Il y a des trucs en bas, c'est pas très... Il y a de l'étain, mais... Oui, il y a de l'étain, là, parce que je vois... Oh, putain, la vache, oui, il y a la blinde de mob, là. Il y a la grosse blinde de mob. Là, éventuellement, tu pourrais mettre ton seau d'eau. Est-ce que tu as des torches en plus? Oh putain la vache, vas-y vomis-moi dessus, vomis-moi des torches. Oh, bah oui, bah évidemment, si jamais tu restes au même endroit. Triple andouille. Pourquoi tu me files du bois? Le gars me file du bois comme ça, rien à foutre. Fuck la police. Tiens, j'espère que t'auras la dose là. Oui, ça va, ça devrait aller. Du moins pour un temps. Ah. Alors, tu mets ton eau qu'on puisse descendre? Nickel. Oh, oh putain, oh, fait, oh putain, il y a des golems, on se casse. Ah oh, oh, putain. Ah bah d'accord, je suis mort. Ah bah là, on n'est pas dans la merde. Je me suis fait défoncer par un mini golem. Ceci est un grave problème. Oh, putain, t'es chier comme ça. Problème de santé surtout. Est-ce que ça passe à travers? Ah non, tu vois, quand on meurt, ça passe pas à travers. C'est très bizarre. Ah si, ça passe à travers. Par contre, t'es vraiment pas loué parce que... Ah ouais, du coup, il va falloir que ce soit toi qui aille. Bah écoute, moi j'ai voulu descendre, voilà, comme ça, quoi. Et au final, ben voilà, quoi. On connaît la suite. Voilà, supériorité intellectuelle. Oui, je sais, c'est moi l'intellectuel de service. William. Bonjour, bonsoir. Attends. William, tu vas me faire le plaisir d'enlever ton écho tout de suite. Mon écho? Mais oui, ça, écho. Sur le casque, comme ça, c'est pas moi qui... Non, parce que là, si tu veux, on est un petit peu en train d'enregistrer une vidéo et tu t'es un petit peu intrusionné dans la vidéo. Oups. D'accord. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Là, au revoir. T'as l'air de je ne sais trop quoi quand tu fais ça. C'est ça. Ah, oh, fuck. Oh, putain. J'aime. Ah là. Ouais, bah attends, on est en train de... On est en train de subir toute la cruauté du monde, là. Oh là. Allez, je me suis fait les deux witches par derrière. Bim. Oh là. Voilà. Ah, thème. Ah. Oh putain, la vache. Oh. Fais gaffe, y'a un squelette là-bas. Je disais, t'as un squelette là-bas. Non, William, je crois que c'est parler, en fait. William. Oui. Ah non, je crois que tu t'étais barré, j'entendais plus l'écho, je me suis dit putain. Pourquoi je t'ai fait toute la vidéo? Je suis là. Putain, mais. C'est pas vrai. Ah non, mais c'est pas grave, il peut rester. Maintenant, il s'est intrusionné, c'est pour en chier. Il reste là, point final. Ok, d'accord, très bien, c'est la foire aux œufs, là, c'est bon, très bien. La foire au quoi? Je sais pas, on aurait dû dire la foire aux œufs, voilà, tu m'énerves, voilà, c'est énervant, c'est. La foire aux œufs. C'est toujours la même chose, voilà. Fais ton tour, putain, voilà. J'ai pas entendu la moitié de ce que t'as dit. Merci ma connexion. Pietro qui essaye de passer ses nerfs mais qui n'y arrive pas. Et de quoi qu'il y ait un avant Pietro, je piche pas. Non rien, le fait que voilà. Le fait que quoi qu'il y ait des invités, c'est ça? Non mais j'aime pas quand tout se passe pas comme prévu. Ah bah oui, voilà. Moi aussi j'aime quand un plan se déroule sans accro, mais malheureusement on peut pas tout avoir mon cher Pietro. Il va se la faire à la Willy Gmode. Oh sale mouche déguisée en arbre de Noël. Pff, mais n'importe quoi, c'est espèce de mouche à merde déguisée en arbre de Noël. Effectivement, je me suis gouré. Effectivement, tu t'es bel et bien gouré, oui. Par contre là Pietro, j'ai trouvé du fer à l'infini, c'est bueno. C'est bueno. Ouais, c'est bien bueno. Par Kinder, ça ira bien. C'était quoi cette blague minable? C'était pas une blague, c'était... Embauché par Kinder. Un conseil. Conseil, je t'en foutrais, moi, des conseils. D'ailleurs, salutations à Muscada qui, elle, a des Kinder chez elle. Ah bah voilà, en plus on va faire la salutation à tous ceux qui ont des Kinder chez eux. Bonjour chez vous. Bonjour messieurs les Bueno, bonjour les Kinder Maxi, bonjour tout le monde. Allez, allons-y. Et puis en plus comme il faut pas faire de pub, on va dire que... Ah bah non, il n'y a pas de concurrent. C'est bête. Bref. Pardon. Allons-y, c'est pas grave.
Là, je crois que la Pietro a officiellement pété un câble. Allez, sauve ou des poulets que je me les fasse. Mais non! Ah non, tu laisses le poulet tranquille! Je regrette Non, d'annoncer que. Je les regrette dindons! d'annoncer Ils que. sont où les dindons? Les dindons, on n'en a pas encore vu des Regarde dans le dindons. miroir. T'es un enculé! Enculé! Ah bah quoi, il vient, il assume? Ouais, non, mais il vient, il assume, ça je suis entièrement d'accord. Ouais, moi je suis mort ici. Même venir que je vis tout. Pietro, enfin! Un peu de tenue, quoi! Mais je me tiens, mais pas de Et bonne, le pas de bonne. délinquant! Mon C'est Dieu. quoi un délinquant? C'est un dé à quatre faces. Oh putain, Ouah, cette Seigneur. blague à chier! Pietro, je crois que c'est toi qui as le charbon, non? Laisse-moi deviner, t'as plus de charbon, c'est ça? Une blague à chier, c'est ça? Ok. Mais arrête, il me reste plus que 2 cœurs de vie. Enfin, 3 cœurs. Sapin de Noël. Déguisé en arbre de Noël, oui, je sais. Sapin de Merci. Noël déguisé en arbre de Noël, Noël, ça va, déguisé en arbre de Noël. Ok, d'accord, Willy, va te Ah, si je vais me coucher, j'arrête la vidéo. Alors tais-toi, hein. Tu te tais coucher. maintenant. Oui, Commence à bien monsieur. faire les conneries. Maintenant, tu fermes ta grande gueule et t'apprends ta table de 2 par cœur. Non mais Oui, oh. monsieur. Alors, waypoint, latest test, supprimer, Eh bien, voir, Genre, on dirait monsieur. qu'il y a un bouton. Merde, un bouton. Merde. Tu m'as pris pour du bocu, du cobu ou quoi? Point à bocu, non, ça c'est pas sûr. Ah, Hein. Du bocu, c'est waouh. Non, c'est du cobu. Ouais, ben on l'a C'est comme trouvé. dans les profs, monsieur Q-Tiro égale monsieur Tiro Oui, égale bocu. Tu serais gentil d'enlever ton écho, encore une fois, je sais que je suis casse-couille avec ça, mais. bon, mais moi je vais vous le laisser. Mais non, mais tu peux rester, C'est mais ça, enlève ton écho. attends, très loin. Oh là Attends. là. C'est mieux ou pas là, l'écho? Attention, allô? Je suis un idiot. Allô? Allô? Ah, c'est bon, on n'entend plus l'écho. Ouais, on l'entend T'entends plus. plus l'écho? Non. Ouais, mais le truc, c'est parce que mon micro est tellement sensible que dès que je l'approche trop des enceintes, enfin, des Ouais. enceintes, je veux dire, des écouteurs de mon casque, des enceintes, je dis, j'ai plus de cerveau là, dès que j'approche Bon, trop des depuis écouteurs de mon quand t'as casque, un en fait, vous cerveau, entendez toi? parler. Allez, GG. Putain, celui-là, mon gars. Allez, GG. Faut que j'aille tuer le spectre. Quel spectre? Bah là-bas, il y avait un spectre qui flottait au-dessus des arbres. Tel Frost, le jour d'Halloween. Ah bon, parce que je flotte au-dessus des arbres, genre d'Halloween, moi. Non, c'est au-dessus des arbres. Tu Non, flottes c'est au-dessus des arbres. Mon Dieu, quelle horreur. Allez, ciao, je suis ciao, con. ciao, ciao, Allez, je suis con. ciao! Hop, 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 Hop. hop, hop. Oh ouais, putain, là, ton écho, on l'entend, c'est phénoménal. C'est faux monumental, comme dirait l'autre. C'est faux monumental, oui. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh, tu vas me dire si tu vois ce que je te lance. Attends, tu permets? Je me fais une épée déjà pour commencer. Parce qu'il y a Je respect. sais plus où tu es. C'est couillon pour toi? Alors attends. C'est bon? Tu Attends. me vois là? Attends. T'es où? Là, là. Où ça, là? Ah, t'es en dehors de la minimap. Bah, Ah vers le. si, je te vois, t'es là-bas. Ok? Alors attention. Bouge pas. Un œuf. Merci. Mais sauf que t'étais très 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 loin de me viser. En même temps, un œuf, c'est pas comme un arc, c'est moins Je précis. cherche pas d'excuses, Pietro, t'as tort, point final. Il me faudrait de la bouffe. De la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Voilà, donc ça c'est bon. Putain la vache, je suis totalement perdu, je sais plus ce que je dois faire en fait. Ah oui, c'est ça, aller voir là-bas ce qui se passe. Ouais, tout à fait. Et puis moi, il faut que je commence à faire des trucs pas trop mal. Ça, c'est bon. Hop. Par là, il n'y a rien. Par contre, je me fais tirer en hauteur, j'ai l'impression. Ça, c'est gravement la merde. Ah non, en effet, je me fais tirer ici. Saloperie, vas-y, viens là, je t'attends. Viens là, tête de mort. Voilà, ça c'est fait. Je vois un zombie. Bonjour. Oh putain, il y a un creepy avec. Putain, il m'a fait peur cet enculé. Heureusement, ils sont bloqués, ils peuvent pas m'atteindre.
Yeah. Ça c'est fait. Hop. Et hop. Voilà. Comme ça, toute la zone est à peu près éclairée. Même si au-dessus, c'est pas éclairé, mais au-dessus, je peux rien y faire. Donc bon. Ça c'est fait. Peut-être éclairer là aussi. Là, il y a un œil d'araignée, ça je m'en tape. Est-ce qu'il y a éventuellement des ressources exploitables par ici? Non. Donc moi, écoute, Pietro, je continue ma route. Hein. Vas-y, trace ta route. Hein. Je continue de creuser. Allons-y gamin, faut juste que je remonte. Oh putain la vache. William? William? He's dead. Il est plus là. Hein. Mm-hmm. Ah bah voilà, t'es là. Bah, pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Ben parce que j'ai un peu passé de mon téléphone à mon PC, mon petit gars. De quoi? J'ai un peu quitté Skype de mon téléphone pour passer à Skype de mon ordinateur. Pietro, tu peux récupérer ta source d'eau, s'il te plaît? Non. Jeune apprenti. Ah, c'est soit tu la récupères, soit je la fais disparaître. Hein, donc. Fais-la disparaître, parce que mon souhait est rempli, donc je sais pas. 4 jours sur 10, voilà. Au fait, si tu veux redescendre, une échelle. Ouais, non, non, mais moi là, je suis en train de faire un escalier pour accéder en face. Hein. Ok, donc tu es en train de me dire que ce que je suis en train de faire, ça sert à rien. Tout à fait. En gros. Très bien, c'est pas grave, c'est légal. C'est la vie, c'est la vie. C'est ok, d'accord, tu. Mais je sais même pas, t'es où là en fait? Qu'est-ce que tu fous en bas? Ah oui, d'accord, ah oui! Ah oui, non, 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 mais l'échelle, ça peut être utile. Moi, là, je continue, c'est juste pour accéder en face. C'est quand on dit que quelque chose peut être utile, c'est rarement utile, en fait. Parce que des fois, regarde, le nombre de fois que je t'ai dit, ça peut être utile quand tu me proposes un truc. T'es un enculé, je te promets. Ça peut être utile. Je te déteste. Ah, ça aussi, ça peut être utile. De quoi? De te détester? Oui, ça, j'en doute pas. De toute façon, tu doutes de rien, toi. Non, de jamais de rien. Il faut jamais douter de rien. C'est qui de rien? Voilà, William, tu penses comme moi? Hein? Oui, bon, je pense comme toi, oui. D'accord. Okay. Ça me rassure, je suis pas le seul à penser ça. Vous êtes juste deux, quoi. Voilà, c'est ça. On est deux, on est deux plus tous les viewers qui nous regardent, je tiens à le dire. En plus, c'est compté. What the fuck? Oh, quand même, n'insulte pas Pietro. J'insulte pas. J'insinue, c'est tout. Donc t'insinues qu'il sait pas compter. Non mais t'inquiète pas, il a appris des mots de plus de 3 syllabes aujourd'hui. Il ressort. C'est ça. Je suis trop content. Maman. En plus il a eu un peu de mal, hein. Insinue, ça a eu du mal à sortir. Hein. Maman, aujourd'hui j'ai appris un mot. Ah bon? Mais quel mot? Bonjour. Ok. Ouais, sans déconner. Putain. Tu mérites de mourir. Ah. C'est pas mal. Oui, je mérite de mourir, mais enfin, faudrait pas que ce soit toi qui me tue. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah, mais. Reprends-moi cette eau tout de suite! Saloperie! Tu vas faire quoi? Tu vas finir par me tuer, toi, avec ton eau, là. Tu vas faire quoi? Je vais rien faire. Dégage avec ton eau, là. En plus, il est en train de me foutre en l'air ma torche que j'ai foutue en bas. Saloperie. Non, on dit Pietro. Oui, Pietro est une saloperie, oui, d'accord. Non, Pietro. Pietro égale saloperie, ok. Non! Fuck. C'est bon là? C'est toi le fuck, hein, ferme ta gueule. Pauvre enfant. Oui, il faut faire plein de vues parce qu'il a besoin de fonds, hein, pour s'offrir une place au soleil sous les Bahamas qu'il y aura sur ses tapisseries dans l'hôpital psychiatrique. C'était censé être drôle? Non, mais. Non, parce que ça l'était réellement pas, je tiens à te le dire. C'est... Merci de me prévenir parce que c'est vrai que des fois j'ai un peu de mal avec l'humour franstien. Non, c'est pas des fois, c'est t'as toujours du mal. Ah, désolé. Ne le sois pas, c'est dans ta nature. J'ai trois fois ma maternelle, c'est pour ça. J'arrêtais pas à rester dans les bords. Ouais. Ah, il clash, Pietro, ce soir, il est en forme. Évidemment qu'il est en forme. Parce qu'on est le soir, j'ai jamais appris les périodes du jour. Pour moi, on était déjà en pleine nuit. Que...
Personnellement, moi là, je vois du jeu. Pietro, je relève même plus tes vannes, hein. Ça sert plus à rien. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Justement, rien. C'était bien pendant quelques secondes. Alors, si quand je parle, ça te va pas. Si quand je la ferme, ça te va pas non plus, j'ai envie de te dire, tes vidéos, tu vas les faire avec toi et toi-même, quoi. Avec moi et moi-même, mais j'en rêve depuis longtemps. Elle est où la machine à gloner? Non, c'était pas drôle ça non plus. Désespoir extrême. Voilà, Zephyr, il a son extrême bourgeoisie, nous on a le désespoir extrême. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. C'est perfect. Tout à fait ça. Donc ça, c'est... Bon, moi, perso, généralement, je continue à creuser. Je suis à la couche 45. C'est à quelle couche qu'on trouve du mithril exactement? Il n'y en a pas. Oh! Pietro, ton endroit favori! Mais lol! Pietro? C'est quoi mon endroit favori? Une mine abandonnée. Je te jure, j'en ai marre de tomber sur des mines abandonnées. Ça me gave. Est-ce normal que ça ne coupe pas tout l'arbre? Depuis quand il y a quelque chose de normal ici? Sincèrement. Ceci n'est pas logique. De quoi? Ça devrait couper tout l'arbre, ça ne coupe plus tout l'arbre. Est-ce que t'avais... Ah mais c'était parce que tu coupais avec ton arc, en douille. Je coupe un hache, c'est du triple en douille. Bah, tu m'excuseras, là ce que je vois à ta main, c'est un arc. Hein? Mais oui, ce que je vois à ta main, là, c'est un arc. Pourtant, moi, dans la main, j'ai une hache. Dans ce cas, c'est peut-être ma connexion, je sais pas. Mais enfin, non, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, si jamais ça n'a pas coupé tout l'arbre, c'est parce que il devait y avoir un bloc d'air ou un bloc d'autre chose que de terre. Read timed out. Ok, j'ai perdu la connexion. Génial. Toi aussi, ça va, ça me rassure, je suis pas le seul pour une fois. C'est GG tout ça. Alors, on le y retourne. Quoi, le Wither? Quoi, le Wither? De quel Wither tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais tu parles de quoi, là? Je sais pas. Toi, tu me parles de Wither, on sait même pas d'où est-ce qu'il sort ça, mais admettons. Non, mais en fait, quand je t'ai regardé, il y a marqué Wither. En vrai, j'avais juste envie de te claquer. Il y avait écrit Wither quand tu m'as regardé? Ouais, un petit bug du serveur. Un petit truc de rien du tout, quoi. Mais c'est peut-être parce que... Je suis le Wither. Et moi, je suis le winner. Okay. Ouais, alors le winner, ça c'est discutable. Oui, je suis un très beau winner truc du cul, ça c'est sûr. C'est pas trop mal, ça. Est-ce que Frost, t'es conscient que... Tu as mangé. Que? Je n'ai plus à manger. Éventuellement, il y a des poulets rôtis dans le coffre. Perfect. Je les remplace par du... Genre, vous devez même manger sur Minecraft? Waouh. Bah oui. Je te rappelle qu'on fait une série en survie. Alors, t'es en train de me dire que la personne qui parle avec nous, là, en ce moment... Oui. Qui nous fait chier ne joue royalement... pas à Minecraft. Depuis tout à l'heure... Ne joue pas à Minecraft, tout à fait. Ne comprends pas pourquoi je bouffe du poulet rôti. C'est quand même la meilleure monde... Oula. La meilleure monde des blagues, oui, bien sûr. Mec, c'est moi qui ai pris des câbles aujourd'hui, putain. Bah oui. La meilleure monde des blagues. Il commence à faire nuit, là. Que dirais-tu d'aller dormir, Pietro? Allons-y. On m'accompagne, lui. Ah oui. On va aller voir ça. Ah, salopard. Tu vas me laisser rentrer, oui, saloperie. Trop de balles en route. Je t'informe, Willy, que c'est fini à 95%. Quoi? Je t'informe que c'est fini à 95%. De quoi que c'est fini à 95%? Devine à quoi, de quoi je parle. Je sais pas. De mon anomalie? Le chargement de sa vidéo. Ouais. Ah, mon anomalie, nickel. Et on vient d'assister au suicide d'un mob. D'un squelette, en l'occurrence. Pietro, j'ai encore des flèches. Il s'est suicidé avec son CPL. Oui, voilà, il s'est suicidé avec la corde de mon CPL. Non, c'est plutôt suicidé dans le vide parce que je l'ai poussé, mais bon, faut le dire à personne. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous le saurez dans mon prochain tuto Gmod. Voilà. Vous comprendrez très bientôt, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai tout en détail, même ce qui n'a pas besoin d'être expliqué. Je vous expliquerai comment faire des bébés, comment faire des petits bébés, des arrières-enfants et tout le merdier. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Des arrières-enfants. Alors. Oui, voilà, les arrières-enfants des petits bébés. Et les arrière-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 petits-enfants.
Aussi? Aval, D'accord. aval, aval, aval. Oui, voilà, aval, aval. Tout, ne laisse rien au Ouais. hasard. T'es d'une immondice absolument totale. Bon, bah voilà, mes amis, c'est sur ces images totalement dégueulasses que vous faites en ce moment dans votre esprit que je vais vous laisser. Donc, je vous dis jusqu'ici, portez-vous bien jusqu'au prochain épisode de Willy & Co. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine! Salut tout le monde! Ciao.